DJ Stéphane. Bala Mwangi. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwangi. Oh yeah yeah. Présentez-vous, madame. Maman, vous allez calmer. Vous allez vous calmer. Obama. Kondamboka. Obama. Mwalimu Kondamboka. Bien, merci Nabade Kotuba Kolanda Bisso de partout à travers le monde, Tango Koki RDC, Jési Encolé. Ensemble avec vous, là, vous venez de suivre l'arrivée de Vital Kamerhe au niveau du Canada, Babengi Mokonza Mboka. Babengi est le numéro 1 de la République démocratique du Congo. Là, c'est un coup d'État en gestation ou encore c'est quoi? Nous allons analyser cette affaire. Et nous allons aussi parler de ces voyages. Peloton à bateau au bas voyager naï. Ici, on est en train de nous révéler ce n'était plus un nombre de 23 personnes et qu'au-delà. L'argent, les trésors publics dilapidés. Or, nous avons plusieurs et plusieurs priorités. Nakatsa Mboka, il faut ravitailler, il faut donner l'alimentation aux FRDC, mais également, et pas à Wazalène de Bazan à front, Tourolebe la Makambango dans son émission, il y a plusieurs choses à dire, et Tourolebe la paix sur la trêve humanitaire, les cessez-les-faits acceptés au niveau de la partie congolaise, appuyé, imposé par les États-Unis d'Amérique, et nous allons vous montrer aussi la vidéo qui donnait déjà l'image, qui reflétait déjà la réaction et la décision sur terrain de la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Guterres, ici au Congo, c'est Bitung Keita, qui avait aussi dit quelque chose, Tokolo Belayango, et la réalité sur place après la trêve, et pendant la trêve, pendant les cessez-les-faits, ni Nezo Salamanakati, il y a terrain. Est-ce que pendant ces cessez-les-faits, le militaire rwandais qui occupe aujourd'hui Kanyabayonga va libérer Yango? Aujourd'hui, les camps des déplacés, qu'est-ce qui se passe dans les camps des déplacés? Les civils congolais va déplacer, naba kanyon sobazo souffrir makasi. Le ministère Affaires sociales, vous êtes où? Désolé, Bela Yango Siko. Alors, plusieurs révélations. Kabuya est entre la vie et la mort. Kabuya entre la vie et la mort pendant que nous sommes en train de parler. Vous allez comprendre plusieurs choses ensemble avec nous. Mbopé Sabiso, attention. Et je ne suis pas seul. Moi, c'est Jési Encolé. Néambi, le Susubobe Minsano. Ndekonangai, Mara Bobola. Le combattant d'élite. Le combattant de la première ère. Oh, papa Etienne Tshisekedi Tshiem. Maboko na moto à Pambola et Kindeliboso. Alors, Ndekomara Bobola, Mbote Nai. Mbote, Jési Encolé. Mbote, Pana, Bande Kobako, Nabiso. Je salue précisément les agents et cadres, notamment de la Sonance aujourd'hui, Caisse nationale de sécurité, Oyo Baza qui a passé un moment très difficile avec l'actuel DG, Oyo Balobe qui est à se foutre à Rabato, qui dépend de la immer. Ce gars là, il est bien, 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 30 mois, il y a un paiement, Oyo Ezali na niveau entreprise, Iwana. Et Balobi DG Yemoko salaire na yeza ya 28 600 $ au moment où chef de l'État azaku créé ba emploi azali ko singela e ke ba travailler ba employé baza la condition bien DG Désiré Clément azali bongo muto azali ko telemer la vision mukonza mboka na niveau ya sonance. Alors likamusu ya pas ezali na kaya mugunga Jési Encolé, il semblerait que ba déplacer de guerre bazangi mai. Mais awa, DG ya régie des eaux,
Oya yela ki biso babengi politique ya méthode ya Tshilumba, mais c'est Tshilumba. Aluka solution na kaya mugunga. DG ya réside zo. Ba déplacer les gars maya comme les ate bazo somba bidon moko ya 15 litres ya 20 litres bazo somba on a 1000 francs. Bato batiki ba mndoko banda kuna bango ba ye ko vanda na kaya mugunga. Mais bazangi maya komela. Alors chef de l'état azana za ko placer ba na ba entreprise ba sala misala et permettre que to kende liboso. Mais tala bato chef azo ko pe sa confiance. Est-ce que tozo nganga na principe nge Kabila lobake azala ki na 15 meilleurs congolais te. Bosoki Kabila azala ki na 15 meilleurs congolais te. Aujourd'hui nous avons les Kasavubuste, tozana na ba Lumumbiste, tozana ba Mobutiste, tozana ba Musée Kabiliste, tozana ba Joseph Kabiliste. Ça veut dire que chef de l'État a coqui qu'on manquait pas plus ou moins même de 35 personnes. Oh, il y a bien passé les moussala. Mais t'as la bilo koyabou. DG à Sonance, na DG à Régie des Eaux, et Sengel Bassa moussala ma. Là, mou parce que trop c'est trop. Mikolozoya, tu vois, il y a ma détail, il y a Jésus en colle. Na prochaine bote n'a pas, na grande sœur n'a pas, Congo Airways, Koulout n'a pas, Mayele, la DRH, Madame Fatou, mbote n'a place aux Ali. Aujourd'hui, Congo Airways, et Zali Kokene Malamu, et Zali grâce, il y a administration, na yo, intelligence, na yo, na niveau, il y a administration, il y a Congo Airways. Bien, merci. Alors, Ndeko Marabobo là, tout le monde qui bande ya madiko ya réalisation. Bala Kisibiso photo à Vital Kamere, il y avait une équipe oui précédent qui est composée de 14 personnes bakenda qui na assemblée générale ya francophonie ali ko salama na niveau ya Canada na Montréal oui sangisi ba assemblée nationale union sur ba pays membres ya francophonie. Il y a une très grande conférence ils ont organisé kuna et la République démocratique du Congo pezala qui invité ezali ba assise o ezo banda et banda qui les 3 juillet et aussi la ti le 11 juillet à mois haute ezali. Alors la délégation à République démocratique du Congo ezali est conduite par l'honorable président Vital Kamere, mais il y a une délégation de 14 personnes kenda ki liboso Vital Kamere a aussi kokoma Canada. C'était hier lundi sous les coups de 10h heure du Canada et 14h heure de Kinshasa. Ça. Mais on nous informe que au niveau à Canada, Vital Kamere, Babengie Mokonzi Mboka, Vital Kamere a acclamé et Vital Kamere a accepté cette appellation à Mokonzi Mboka. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur terrain après ma vidéo Totei Kolanda? D'abord, je tenais encore à préciser et aussi à confirmer que ces voyages, d'abord, ils allaient qui voyage ou ils allaient qui prévu à des personnes. Il y a des pays où il y a au Canada, ma pays organisateur, où il y a Batina Kaba invitation. Pour certains pays, de pouvoir prendre part dans l'activité Wana, ils allaient 49e session et activité Wana. Alors, le problème est, Oyeza et Mabena Mokanabiso, que derrière la gestion de la République, derrière la gestion de la Respublica, les acteurs de la nouvelle classe politique et puis de l'ancienne classe politique, Baza toujours Koluka, Yako gagné quelque chose derrière moi et l'Okomokobo, l'État, Koyuko Sala, soit Koluka quelque chose. Le président Vital Kamere, ce qui va couper ngaye mokonzi mboka meza et loko moko ya somo. Est-ce que cela n'est pas une obabengaka un coup d'état constitutionnel, un coup d'état institutionnel? Parce que Vital Kamere a accueilli na Canada en tant que président il y a deuxième institution il y a République démocratique du Congo. Obabengi ezali chambre basse ou ezali assemblée nationale ou ya qui ko représenter. Mais tant que oyo bazako bengaye mukunzi amboka alors que bisonyo soto ebie que tuza na mukunzi amboko moko ezali nani chef de l'état. Mais comment le président Vital Kamere va se permettre ya kokende kundimaye ke ba bengaye mukunzi amboka? Est-ce que d'après ma information tuza nango ça veut dire que il y a eu un groupe de personnes oyo ba mataki avion awa ba keri kuna pona ko lancer ba kriya modele oyo pona ko yembela bato? Mais oui. Comment quelqu'un qui habite au Canada a quoi qu'on a bakri wana? Parce que on sous-entend que bandeko ba vanya mami qu'il a poto bazan mentalité a bien bazan moi ba façon moko boya réfléchi on ndenge mindele ba réfléchi ça. Je ne peux pas comprendre un Congolais né grandi au Canada a que ndeko ba eke Vital Kamere mokonza mboka. Ndeko tibango bongisela biso vidéo to Rolanda ngosu. Ba bengi e mokonza mboka pona nini? Ça veut dire soki to zongi lisusu na babiloko oye salamaki na Kinshasa awa. Le président Vital Kamere, Augustin Matata Mponyo, Jean Lissier Boussa, ils ont organisé une conférence débat à l'université de Kinshasa. Et la plupart, Jean Lissier Boussa et Vital Kamere, baza bato baza na katia PC.
PC wana ezali plateforme politique ou ezali membre na kati ya Union Sacrée. O bazali na plus de 100 et quelques députés nationaux. Ça veut dire pour na bango, bazali déjà ko préparer 2028. Comment vous allez voyager en tant que deuxième autorité du pays, mais vous arrivez quelque part, on le va ben ayo ke honorable Vital Kamerhe bazako ben ayo nani mokonza mboka. Mwalim encore c'est quoi parce que na ki balobi mwalim, est-ce que Pierrot Tshibang vous êtes prêt? Suivons d'abord ceci, comme ça rapidement nous allons revenir. Suivons d'abord ceci. Présentez-vous, madame. Maman, vous avez calme. Vous avez calme. Obama. Obama. Alors, Ndekoma Rabobola, Koyoka ba cri au Salama au niveau à Canada, ce n'est pas une campagne déjà anticipée ou comment? Mais oui, certainement. Moi, je suis de l'IDPS. Ajustez un peu votre micro. Merci beaucoup. Je pense que ça c'est une campagne anticipée de la part du membre et aussi des responsables de ces regroupements politiques qui est au sein de l'Union Sacrée de la Nation, qui est la vision chef des chefs de l'État. D'ailleurs, avant qu'il puisse créer cette plateforme politique, vous savez que Vital Kamerhe avait tenu un propos, avait déclaré qu'il a fallu créer Union Sacrée des intelligences. Parce que l'actuelle Union Sacrée n'est pas intelligente. Et il était question de créer maintenant une Union Sacrée des intelligences. Ça veut dire que pour Vital Kamerhe, l'Union Sacrée que le président de la République avait créée, après la consultation, avant que nous puissions avoir ce qu'on appelle le divorce du FCC Cash, cette Union Sacrée que le président Tshisekedi avait créée, c'est une Union Sacrée à Malamouté. Maintenant, il a fallu créer une Union des intelligences. Quelques temps après, m'a créé PCR Nabango. Et vous allez voir que M. Jean-Lucien Boussa, dans le niveau de l'université à Kinshasa, il va tenir un propos critiquant quoi? Le leadership des chefs de l'État. Et ils ont appelé leurs anciens collègues, leurs alliés du PPRD et du FCC, M. Augustin Mata Tampogno, afin qu'ils puissent organiser cette activité. Et aujourd'hui, comme la vidéo a passé, au niveau du Canada, on appelle Vital Kamerhe le président de la République. Nalingala, ils en français, ils abongo. Le chef de l'État, Mokonza Mboka, Kumuya Mboka. Quand est-ce que Vital Kamerhe a commis Mokonza Mboka? Parce que nous avons un seul chef d'État. Nous avons un seul président de la République. Alors, biso na musana biso ya communication et investigation et dénonciation. Il y a un autre dénoncé bilokoyo. Chef de l'État a sa attention. Na bandeko na biso ya PC. Le président de la République a mekanano kofungwa buku wana ya malamu. Tango zoloba a sa attention mokonza mboka a sa attention. Na bandeko PC ra bazani PC ra pezani. Mais non, PC ezali regroupement politique. Oyo, Ndeko Tony Kankou, Ndeko Vital Kamerhe, Ndeko Jean-Lucien Boussa, Ndeko Julien Paluku, Oba Krea Kiyango, Pona Koluka, Kotia ba parti politique na bango, ba kende, ba aligné ba candidat. Denge ka ezala ki Union Sacrée, yayi UDPS avec allié, ba salaï regroupement na bango, yayi, bango pe ba krea ki loko na bango, c'était dans ce sens. Maintenant, après avoir créé ça, ils ont gagné aussi des sièges au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales. Et ils ont eu aussi à gagner certaines provinces en termes de gestion et en termes d'avoir des gouverneurs de provinces. Mais aujourd'hui, on comprend que ce PC, cette plateforme politique, cherche maintenant à créer maintenant ce qu'on appelle le chantage auprès de la plateforme politique et qui conduit la majorité parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Et ce PC aujourd'hui crée déjà des problèmes déjà en amont par rapport à la gestion du pays. D'un côté, on critique le leadership des chefs de l'État par M. Jean-Lucien Boussa. De l'autre côté, Vital Kamerhe, qui a déjà tenu de tels propos qu'on devait créer une Union Sacrée des Intelligences. Parce que l'Union Sacrée qui a été créée par le président de la République était une Union Sacrée bête. C'est ça la communication simple. Et aujourd'hui, l'honorable Vital Kamerhe s'est rendu au niveau du Canada
comme le président de l'Assemblée nationale avec une mission spécifique, représenter notre Assemblée nationale et on va l'appeler là-bas Mokonziamboka Mwalimu. Depuis quand Vital Kabera comment Mokonziamboka? Tolinga qui te comprendre, babengaye Mokonzia Assemblée nationale, le speaker de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Le premier citoyen de l'institution Assemblée nationale ou Parlement. Soit le longo l'issina. Mais le oyo, vidéo yango ne leki, bandeko baza kolanda, baza ko benga Vital Kamere Mokonziamboka. Mdeko wana, bazue la ki e biye avion awa. Délégation ba linga yiba kende, ba yebi se balobi yoko kende. Rôle la yoko joue yango. C'est la politique papa. Donc la Mokonziamboka yimeka pour amener de, les animateurs, pour amener des personnes. Des djalélistes. Djalélistes, voilà. Des djalélistes. Ça veut dire, dans la délégation, sur cette liste, il y a eu des gens, oyoyo, bazala qui placé dans la liste, wana, et zala qui juste, pour ma misala à modèle. Parce que moi, je ne peux pas comprendre une activité, oyo, ezali, il y a deux personnes, tout au plus au moins, maximum au moins, quatre personnes, mais vous allez amener 23 personnes. Moutouana Kekoloba, Mwali Mokonziamboka. C'est un Congolais, c'est un Kinois. Kriwan Ezaya Canadien, Ezaya Moutou, oh, il va foutre les billets avion. Ake a komikuna ba lobi, yon rôle na yo okoloba boy. Ça veut dire que nous sommes dans une phase où j'ai sali le combat oyo ndeko les airs a komene. Ou yaza koloba yeke, tozo constate que tozali ko perdre pouvoir. Mais ici, nazali ko attirer attention. Il y a Motoyali Bosso Ezali à chef de l'État avec beaucoup de respect et avec les hommages le plus différent. Ça veut dire que Tozali ko constater que non seulement bandeko oyo bazala ki na pe perdre ba komi ko ya ko zo bo konji place Tozali, mais également il y a bandeko oyo tozu bango bazala ko la ba partenaire na biso bazala ba allié o bango bango ba na ba lo barake bazali ba allié fidèle royauté retiré mais tala le loyo ba komi déjà ko anticiper. Ce qui n'est pas comme ça, il a besoin comme Mokonziamboka. Mais il doit attendre. Tout ça, il y a deuxième, depuis un deuxième mandat, il y a chef de l'État. Même il n'a pas été sollicité. Tout comme en 2027, tant que tu as une élection, il n'y a pas de crise à Yoka. Sous Kabila, il y a Yoka. Moto va tindie, Mokonziamboka va tindie dans Mboka Libanda. Il y a Mokonziamboka. Ozongata? Sous Kabila. Je dis encore le ozon atta. Ba veste na yoko luka place au tiang ou na ba hôtel ya poto. Mais ta la souti se ke di, ba zo profite na passivité na e, ba zo profite na moi hospitalité, voilà les termes appropriés, merci beaucoup pour cette intelligence. Ba zali ko luka suko, ba suye na confiance au chef de l'État Zakopé Savango. D'un côté, un ami critique le leadership des chefs de l'État. De l'autre côté, un autre ami, un autre collègue, il arrive quelque part et on crie sur lui qu'il est Mokonziamboka. Alors que notre constitution a cité plus de 30 fois le nom du président de la République. Ça veut dire que tout ça, un chef de l'État Moko, il ne sont pas deux. On ne joue pas avec les pouvoirs. Et ça, c'est une façon de jouer avec les pouvoirs du chef de l'État. Ça, c'est une façon de jouer, de cracher si le combat que l'IDP s'est amené. Biso te permettre que non, bandeko oto bengi bango, baya ba accompagné. Chef de l'État, tokende ko récit, vision intrinsèque ya chef de l'État, tokende to récit, oyo toko yiko sala, que ces gens-là, baya pa na ko luka moyen, ya ko détruit, et puis ya ko sape volonté ya chef de l'État. Parce que ndeko tango zolo bake, Vital Kamere, Mwalimu, Mokonziamboka, et zala ki déjà préparé. Ozo seka. Ozo seka. Ça veut dire que, et ça, biloko est malam te. Biloko oyo, yango, CG Kabuya, je sais que osa combatti, mais togouti kayote. Nous allons toujours vous accompagner dans ce combat et nous allons gagner ce combat. Et Teni et son groupe ne vont pas vaincre parce que nous sommes sur la bonne voie. Ça veut dire que Vital Kamere a déjà anticipé déjà campagne. Et le col a anticipé campagne. Toyebi si eke, Azela. 2028 à banda campagne parce que ce n'est pas le moment. Mosala batina ke ono sala kuna ngwana ta. Omoni balobaka ke toute chose qui commence mal finit mal. To banda ki awati e bandi na non assemblée nationale. To leki wana ti ake ko le kana primaire. To leki to e to komi na niveau ya jour ya investiture. Il s'est donné l'elix ya kolobaka so ki botiki makele l'été. Alors ça veut dire que bozali ko tele me la chef de l'État.
Combo ya chef de l'État et ya qui wana koulukani ni mokola investiti. Donc on peut dire de la prison à la présidence déjà. Non, 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 non. On ne doit pas confondre la primatie à la. On ne doit pas confondre la prison à la primatie. Nengema Brinoti Balaba Salaki. Les exemples ne sont pas de alors, de les cas Sénégal, Diomaye, l'actuel président sénégalais. Il n'est pas salarié, les mêmes parcours, hein, mais oui, de la prison à la présidence. Mais écoutez, la mère est de la prison à la présidence. Non, le contexte. Parce que déjà dans le Canada. Le contexte ne sont pas les mêmes. D'abord, nous condamnons ces propos-là. Ndekouana, ça, les Lokouana, ceux qui sont là, qui n'ont pas service, il y a intelligence, il y a malame. Même à temps, tous la démocratie, mais ça, c'est une violation de la loi. Comment yo kubenga moto azali président de l'Assemblée nationale, ozobenga e mokonzi ya mboka. Si en lingala, te papa Jésus Yankole. Iza lingala, yo kanso iza nini. Tant qu'on va bien garder ce qu'est dit Mokonzi Amboka, ils allaient répondre à nini. Bujala Amboka, n'a pas bien appelé Marabobo la Bokonja Mokonzi. Non 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 non. Ngai naza Mokonzi Amboka te, ngai nazali Moimboka. Vous comprenez la différence? Koza Mokonzi Amboka na Moimboka, c'est deux choses différentes, avec au moins des statuts aussi différents. Moimboka c'est un citoyen, un individu, un habitant. Vous comprenez? Mais Mokonzi Amboka, c'est celui qu'on appelle autorité de l'État. Yé ba bengi azali chef, ba bengi azali président de la République. Mais yon tan oza ko benga ngay, mara bobo la mokonzi amboka, il faut na tele me la bidoko wana. Et je pense, ndeko yon asali bidoko, il a fait ça à dessein. Asali yango siyama. Ba foute le biye awa, akei Canada, pona kolo baba bidoko yabo. 1,5 million, ma yende pona ba... Voilà. Na ba scénario. Oui. Voilà. Tango ebiso na yon tou sa la combat. Mais je tiens aussi à te féliciter, Jésus Yankole. Merci beaucoup. Parce que combat ou yoto mena ki yango, nous avons commencé ça ici. Na bandeko nyon souba ba lekana ki na niveau ba réseaux sociaux pour nous dénoncer loko. Nous avons vu cette liste a été réduite à 14 personnes. Malgré que non, ba sali kamo te tese ya okende ba tebele. Il fallait la réduire même à 5 à 6 personnes. Et aujourd'hui, au lieu de 23 personnes, ba ke 14 personnes. Et si l'ité, ba ke lusu ko créer problème moussous. Vous me parlez des cas Diomaye, il y a Sénégal. Mais Diomaye a été emprisonné, a été arrêté, c'est pour défendre la nation. C'est pour faire partie, monsieur Macky Sall. Diomaye n'a pas été arrêté parce qu'il a détourné qui? Nous tous, nous savons que Kamara a été arrêté. Il a été jugé pour le détournement des projets d'urgence des chefs de l'État. C'était ça l'objectif. Il y a arrestation. Mais comment vous allez prendre les cas d'arrestation d'un politique pour défendre sa patrie et les comparer avec les cas d'un politique qui a été, entre guillemets, condamné pour le détournement. Ça veut dire que de la prison à la présidence, ils en ont pas sassouanaté. Mais au moins, tokoyo kondimake, akoyo koleka, nenge kokisami lelo, de la prison à la présidence de l'Assemblée nationale. Alors, très bien. Prenons maintenant la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous le savons tous que nous sommes menacés dans cette partie. Il y a une semaine et demie, on peut dire deux semaines déjà, que nos deux cités stratégiques sont occupées par l'armée rwandaise. Parce que Kagame a prometté qu'il y a déjà qu'à Bongama qui prend la guerre et a bandit qu'il y a une guerre. Ba boto li biso ba cité Mibale, ba localité Mibale, Kirumba na Kanyabayonga. Mais la position ba militaire rwandais na ba supplétif na bango M23 et autres, ba koma ina position moko ya défaite. Alors ba sali appel na États-Unis d'Amérique ba ko obliger le gouvernement congolais ya ko leka na période ya trêve humanitaire ya deux semaines, donc cesser les faits. Biso ba FARDC, biso ba wazalendo to beta sou mando kite, bango pe de l'autre côté ba beta mando kite, mais pendant que ba ali ko okipe mabide na biso. Et aujourd'hui, nous avons cette confirmation du gouvernement congolais que nous acceptons ce cesser les faits, to koti na trêve humanitaire pour 2 semaines, 14 jours. Alors, cette acceptation et à cesser les faits, à trêve humanitaire, est-ce n'est pas une défaite pour la République démocratique du Congo? Ce n'est pas une fuite en avance? Et to monique la communauté internationale est ali ko tia maboko na Congo te, mais ali ko sungande bapaya, ba continuer l'agression na bango, ba mettre biso à genoux, je ne sais pas. On ne connaît pas en profondeur leur projet. Alors face à ça, la réaction des marabobo le ko zandengeni. Face à ça, notre réaction reste la même. D'abord, nous avons demandé la fois passée que la demande de cesser les faits par les États-Unis d'Amérique constituerait ce qu'on appelle une violation flagrante
des lois et de la constitution de la République démocratique du Congo en matière de souveraineté. Nous sommes un pays souverain, nous sommes un peuple souverain, nous sommes une nation indépendante. Et en aucun cas, on ne peut nous obliger de pouvoir nous soumettre à la volonté d'un groupe de personnes ou alors de certaines puissances. Au moment où la République démocratique du Congo a accédé à l'indépendance, nous ne pouvons plus céder à nos droits. Yosio Mona Ozobunda Bitumba. Et ba monique au komi na position ya ko longa motozo bundana e ba ebisio botika o bitango tozo kola ezaki na bitumba moko ya bongo Jésus en kole bozo bunda au komi na avantage o kende o bamba muninga na se o moni papa mo kola telemia ye mbangu bakangibino bakaboli o ebi ke epesa ka kanda na bitumba ba biloko ya modele wana même na ba box marte ba kole kulu tu na pesio mbote. Ce qui a commis la position que Azolinga a neutralisé l'adversaire et que arbitre a yé pour la koluka moyen ya koluka moyen ya ko pekisa bango et pesa kakanda. Et c'était ça la stratégie des États-Unis d'Amérique, la stratégie notamment de certains pays membres de la communauté internationale et aussi de la stratégie du Conseil national de sécurité des Nations Unies pour la sécurité. Ça veut dire que nous, peuple congolais, nous n'avons plus droit d'imposer et de faire ce que nous voulons. Nous l'avons dit ici la fois passée que la République démocratique du Congo, à travers le président de la République, à travers toutes les institutions démocratiquement établies et toutes les autorités établies, on ne pouvait pas accepter cette demande de la grève. Mais aujourd'hui, puisque le gouvernement a accepté ça, et c'est Ngelo Kotasko dans les méandres, pour chercher à comprendre pourquoi le gouvernement a accepté ça. Pourquoi le chef de l'État s'est éclipsé par rapport à cette demande. D'abord, la situation de l'Est, c'est une situation qui nous laisse tous sans voix. Personne aujourd'hui, dans notre pays, ne peut se dire taper la poitrine et d'être conscient, d'être content, de se réjouir de ce qui se passe en l'Est de la République démocratique du Congo. Au moment où, ma maman Leki Nabiso, ma tata Mwasi Nabiso, ma grande sœur, ma Leki Yabasi, Oyoyo, ndenge bazali ko boma, ndenge bazali ko piye, ndenge bazali ko sala. Et tout le monde est d'accord que Essengeli que la paix revienne à cette partie de la République démocratique du Congo pour que nous puissions redonner encore les souris aux habitants et aux ressortissants et à nos frères compatriotes qui vivent dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais lorsque nous avons eu un processus d'abord de Nairobi qui n'a pas du tout abouti parce que Kagame ne voulait pas du tout respecter la demande et aussi les cahiers de charges de la République démocratique du Congo. Jusqu'aujourd'hui, ce processus ou alors cette procédure est en train toujours d'être sapé par M. Kagame. Nous avons abandonné ce processus de Nairobi. Nous sommes allés par le processus du Luanda, où M. João Lourenço, l'actuel président chef de l'État de la République angolaise, qui a été désigné par l'Union africaine, afin que Toluka Moyer ou Salanini, Yarusa la médiation entre deux parties, de pouvoir passer par ce qu'on appelle les dialogues et les cesser les faits. Mais alors, qu'est-ce qu'il a fallu? Il faut d'abord d'un moment cesser les faits et chercher comment on pouvait peut-être aller Yakoluka Moyer, Yako rebondi pendant Koluka Moyer, Yako Sola Lissousou, na niveau Yaluanda, Kota la M. João Lourenço, Soki Akomema. Chef de l'État congolais avec chef d'État rwandais pour la Koluka Moya Rosalango. Mais ma belle Zalani, je dis en colé. Ma belle Zaki, les amis, les confrères, parce que nous sommes toujours africains, nous devons toujours partager cette convivialité africaine. Oyo Baza ya Rwanda, même à ta maman, madame Mushiki Wobo, je crois que c'est la secrétaire Oyazali à Francophonie à l'Obike, elle a été toujours d'accord pour la paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et elle ne peut que souhaiter que les processus ou alors l'acheminement des processus du Rwanda puisse arriver jusqu'à la fin. Mais ce qui m'a wana, Azali Mokonzi à niveau ya secrétariat ya francophonie, elle devait aussi demander à M. Kagame que cesse de soutenir le Rwanda. Mais le col a yebi que ça intérêt ya Rwanda moyen à singa na Kagame ya ko retirer ba troupe na na Congo ya ko luka moyen ya ko singa na Rwanda atika biloko wana ezate. Aujourd'hui madame Bitu Keita oyo alobi ango que la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo ne viendra pas par la force militaire. Est-ce que est-ce qu'on peut suivre la vidéo? Alors Piro Chibangu, suivant d'abord ceci, comme ça nous allons revenir.
toutes les options qui vous ont été présentées, mais voudrais rappeler, comme mentionné dans la lettre, qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit et que la paix ne pourra être rétablie que grâce à des solutions politiques durables. J'exprime donc ma question des options qui vous ont été présentées, mais voudrais rappeler, comme mentionné dans la lettre, qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit et que la paix ne pourra être rétablie que grâce à des solutions politiques durables. J'exprime donc ma question des options qui vous ont été présentées, mais voudrais rappeler, comme mentionné dans la lettre, qu'il n'y aura pas de solution militaire à ce conflit et que la paix ne pourra être rétablie que grâce à des solutions politiques durables. Voilà, là c'est Madame Bintou Keïta, la représentante du secrétaire général des Nations Unies en Congo, Alali, a accompagné pour gérer la mission onusienne au Tobengi Monusco, Alobi. Situation aux Agolikanaïs, la République démocratique du Congo, va faire des sénats à Wazalé de Foubazon Massima. Parce que c'est une situation qui est concernée Bamboté. C'est une situation où, pour guerre et si dans l'Est, il faut la diplomatie, il faut le dialogue. Je ne sais pas si vous partagez le même avis avec Madame Bintou Keïta. Maman, on a avec beaucoup de respect. On a appelé ça toujours ma maman. Le coup, la n'est toujours qu'on respecte. Ma maman, la biseau, basan, le gouvernement. Le coup, la maman, Judith Soumina, maman Eve Bazaïba. Ça veut dire que maman, on a accueilli sa biseau, les santé. Les lots où il y a guerre où ils accolent les canards entre Palestine et Israël, maman on a tout qui va proposer par rapport à la situation en Haïti. Guerre ils accolent les canards entre Ukraine na Russie, tout qui va proposer à maman en Haïti pour la colocation c'est un cessez le feu. Bissau République démocratique du Congo tout boya qui cessez le feu oyo. Il y a un moment il a dit ça qui on a côté là il y a ma camionnette tout le bango qui na le visa qui ok ceux qui montent à ça que bunda a comme un avantage. Et que yo peki sebi tumba, moutouana se pelagate. Et la guerre entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, bisou to koma ki déjà n'avantage. Na yebi se que la fois passé que to assiéja ki déjà, ou ba bengi, les éléments du M23, na ba FC à Corneille Nanga. Ou moni yango le loyo, ba se ni toza la cesse le fait, ou moni mese Corneille Nanga, a komi ko sali sa ba meeting na este, a komi ko zongi la ba activité, ou lingo ma zongi le sous force. Ça veut dire que ezali stratégie, il y a Nations Unies, il y a Koluka moyen, il y a Kovandi Sabiso. Biso to sepelite na biloko oya cesser le fait. Il y a un autre senga qui est pas un chef de l'État. Avec beaucoup de respect, avec les hommages, le plus différent, cesser le fait oya demande oya trêve internationale. Biso baimboka to boyango. Mais to sepela qui dans le gouvernement était déjà Mokolo a accepté cesser le fait pendant plus ou moins 14 jours, des semaines. Bah wazalé ndoba kitsaminduki bah faire des seba kitsaminduki de l'autre côté on ne sait pas position na bango seza lengeni sikoyo gouvernement atie mokoloto oui bazali bato bazako kamamboka mais biso pe toza bato toza ba observateur ya société ça veut dire que tozali bato yo tango to le kana ba émission ba yebisa biso ke ndego marabobola loba likambo tala likambo tango cesser les faits et komemela biso Ruchuru, et memeli biso Nyiragongo, et memeli biso Masisi, baye bakangi Goma, ne na momana toko lamuka. Non, toko ki toujours ko cede ou bien ko luka moye ya ko cede na ba caprice des États-Unis. Lelo o makamuzo li kana Palestine. Pourquoi États-Unis a kei ko senga cesser les faits? Makamuzo li kana Ikane Jésus en colle. Pourquoi kei ko senga cesser les faits? Ça veut dire que d'un côté, ba mona ki FARDC et le Wazalendo évoluer normalement. La montée en puissance des FARDC et aussi le travail que Chico Titambo, mon général Nazako Pesa Embo Temusa Nazako Sala, Oya Sali, Ezako Kenemalamu, Yango Mon États-Unis Malobité, on risque de perdre notre objectif. Et M. Kagame, le col a compris que Nazo Lukana perd le régime Nangai parce que les Congolais, tant qu'on bat Telemaka, ils ont la Kassangwamawa. Yango Moni, Basali Bilokwana, mais Bisso, Baimboka, Basipelite, Nalikamo, Oyo, ya trêve humanitaire, il a fallu Tobunda. Pour bitouma mousse les arabongo. Tozo bunda na yo lelo. Omoni yo, tozo bunda. To bunda. Oya ouzana pema, nda roubeta mouninga. Et si la gare lelo. Pour pema. Et si la gare lelo. Ah, et si la lelo. Alors, yo, zolo bato bunda, pendant que, au niveau interne, nous sommes divisés. Ben, si biso na IDPS, kuna ope simbo mboa boi, il y a un camp Eteni Longondo et l'autre camp, Augustin Kabuya, ça ne va pas. C'est un parti présidentiel, c'est un parti Otomoni, Mokunzambo, Kabote, Melagikuna. Mais rien ne marche là-bas. Quel est le problème où ils allaient opposer
bah cadre au sein de l'IDPS, est-ce que la gestion des Kabound et pardon, la gestion des Kabouya est commis ma B, la manière de gérer des Kabouya ndé et salike présidence il y a Assemblée nationale et qui n'est pas à Caméré, la manière de gérer des Kabound ndé et salike baté que la Sénat et pas à Samalukonde, la manière de gérer des Kabound ndé salike le loba Jean Lucien Boussa ba comment la ba poste o ba commis na yango ba banani banania bobambo so ba récupérer ba poste o et singela ki bato ba bunda ki na papa Étienne Bazoua. Lisumu ya Augustin Kabouya ezani yondo ebindako soki mbule ali ko beta o ebiki tangara na cuisine beta ngara na salon. Jésus encore les matondo mingi le sous pour la montuna oyo IDPS toza ko se comporter très bien IDPS moral ya ba combattant s'il vous plaît comporter très bien ceux qui nazolo ba ke toza se comporter très bien c'est par rapport à la gestion du parti mais par rapport ya moi ba quoi qui par rapport ya moi ba désir moko bo oyoyo ba tout ba za ko luka ba intérêt personnel o ba za ko mona ke aussi le temps que le secrétaire général Augustin Kabouya avec beaucoup de respect, mon bien-aimé Azawana, Moyeba Zoyango Ezate. La question que moi je me pose, Jésus Ankole, pourquoi chercher à réorganiser les partis après le projet de la gestion des ambitions par les combattants? C'est ça la question que moi je me pose. Parce que si mon grand frère était Longondo, il avait le souci de pouvoir organiser les partis, l'Union pour la démocratie et le progrès social, il aurait peut-être venu bien avant, même la gestion des ambitions. Après que nous puissions venir sortir après les élections, il a fallu aller à Kolobake, partir au temps de la malamouté, et signer tout préparer parti. Mais pourquoi gestion et ambition et yé l'équipe? N'est-ce qu'on va y un projet Yarousalanini, Yakolukamoye Yarousalanini, tout réorganiser parti. Nous tous, tous allons d'accord que parti faut les aller organiser. Tous allons d'accord que parti Nabisso il faut les aller toujours éclairer. Tous allons toujours d'accord que parti Nabisso il faut les aller développer. Mais est-ce que Augustin Kabouya secrétaire général, aza ko gérer parti Mabé, baye baka motaza ko gérer parti Mabé non par rapport ya ba caprice personnalité. Baye baka ngo par rapport ya ba décision na ya gestion ndenge motaza ko zo. Lelo oyo ndenge lobby que non Caméré azu assemblée nationale. Mais ils ont qui primaire auto organisé qui na niveau y assemblée nationale na niveau y union sacrée pardon IDPS azala qui candidat au le professeur Tulumbu azali deuxième vice président y assemblée premier vice président y assemblée nationale toye na niveau y sénat jusque là nan élection et salamité le secrétaire général a réuni ça qui bah sénateur union sonna bah cadre la parti bah oyo bah koki ko brigué bah fonctionne bah pesa qui bah désire na bango ça veut dire que lelo oyo na niveau ya IDPS makele les ako salama moi à mon humble avis je crois que ceci n'engage que moi parce que dans un combat politique nous en tant que communicateurs nous en tant que observateurs de la société tokoki jamais que c'était position na biso ezali que la demande de la réorganisation du parti après la gestion des ambitions relève des intérêts personnels et des intérêts égoïstes il y a certains là Oyo bazala ki ba ministre ya santé. Oye bi na katia ministère ya santé. Toza na ba service combien? Et combien de combattants oyo bazala ki engagé? Tango ya zala ki ministre ya santé. Tango a géré projet ya nini ya COVID. Bazala ki na ba combattants combien ba ba engagé ki? Nde komusu so azawana azali président ya Ligue des jeunes. Na katia présidence ya conseil d'administration place azako sala. Combien de combattants au bazu misala? Hier abundi combien pour ba combattants bazu misala? Mais tout ça, on nous dit non, voilà parce que Kabouya azako zo basi et puis il y a des mots comme ça qu'on utilise des mots sans pidée, sans respect, il y a ba parents, il y a ba responsable et zo zala malamte. Lelo oyo biso tout na IDPS, to yebi ango que tout ça na ba problème za sérieux. Moi mara bobola je vais vous dire quoi? Tobandi depuis 2018 ans au tozu pouvoir jusqu'à aujourd'hui premier mandat ici li oyebi que dans ça accident Jésus en collé toza ko kende na tikapa to accompagner chef de l'état dans habitude na ya zala kanango ya ko kende ko fêter na Kasai moi j'ai fait un accident mortel na kota hôpital dans ça 6 mois d'hôpital na zo même pas 10 dollars ya parti est-ce que na bima parti mandat ya liboso esili ngai mara bobola na zue loko nini même ata recommandation moko soit une entreprise soit nani na zo yango j'étais même na zalaki argent na niveau ya Congo Airways na leki na mission ko lobake non libala FCC cash ekufa je dis encore ba longola nga na musala est-ce que na kenda ko funda na niveau ya tribunal ça veut dire que nous là nous sommes pas des combattants
il y a de cela parce que bazubilo ko bazaku lukate ne ba kende suko ba réclamer yango. Moi je crois que si nous faisons la politique sur base des intérêts personnels, alors il est important de commencer à aller à Dubaï, de commencer à aller à Lufu pour la luka bosala ma intérêt. Donc en ça Marabobola et tous les coquilles des combattants de l'IDPS de Boudjala, nous sommes en train de soutenir le secrétaire général pour sa gestion du parti. Parce que tu as eu 40 sénateurs, tu as eu plus de 154 députés nationaux, plus de 200 députés provinciaux, tu as eu un gouverneur à province, ville de Kinshasa, tu as eu yango, Okatanga, tu as eu yango, combien de ministères ont une assemblée provinciale, lelo o tu as eu un sénat. Bon, yebi sangai, moto ou ya gérer la partie, mabe, est-ce que tu as eu un biloko wana? Tozaki na 2018 ans ou tozu premier mandat na biso. IDPS a eu combien? On avait 12 députés nationaux, 12 députés provinciaux. L'assemblée provinciale, tokoka y attaque ou bimsa sénateur à mon côté. Très bien. Ça veut dire que le lo oyo secrétaire général, Ndengeka Alobi, Kulutu na biso, était le monde docteur, c'était un innocent, Mundu qui va s'immiscier, Azo Kokobe Tangote, Azo Nisse la Batouana. Nous sommes tous, tous les fédéraux, tous les sectionnaires, les cellulaires, les structures formelles et informelles, il y a parti. Tout y a mes crédits pour la mobanger, il y a activité au CG à Bengi, CG Kabouya, Mokakoswa. Bisomara Bobo l'a lancé d'ailleurs. Campagne Nangai ne touche pas à mon secrétaire général. Donc, tous Zalawana, et Kouyinda, tous Zalawana pour la Boulakisa, fidélité, loyauté Nabiso et pas na secrétaire général Augustin Kabouya. Merci beaucoup, na bandekono so batali biso na Kinshasa, batali biso na Kananga, na Mweneditu, batali biso au niveau ya Kalambambouji, là où se trouve présentement Stéphane Balamwange. Nous vous informons, Stéphane Balamwange a pris cette décision d'aller vers le Congo profond. Il n'est pas à Kinshasa, il est au niveau de Kananga. Après Kananga, il fera Kananga Kalambambouji vers la frontière de l'Angola. Atala Comesque, la frontière RDC-Angola, partie Kalambambouji, Comesque, la frontière est gérée. Est-ce qu'il y a vraiment de militaires? Est-ce que vraiment il y a les services à ANR? Il y a vraiment les services à DGM sur place au niveau de la frontière RDC Kalambambouji Kasai? Et aussi il y avait déjà le lancement de la construction de la route Kalambambouji Kananga, et Stéphane Balamwange est sur terrain pour essayer un peu de faire des enquêtes, faire des vérifications. Est-ce que réellement le lancement, il y a construction et Salama qui par le ministre Guizaro, il y a construction ITPR et consort. Est-ce qu'effectivement après ces lancements, bah Misal Ezali qui continue que Salama, il est sur place et il va nous amener des pressions tout autour de ça. Merci beaucoup la bande de connaissance au Balandé Bissot. Merci beaucoup à la réalisation de Chibangu Pierrot. Merci beaucoup à l'assistance de Max KBC. Merci la bande de connaissance au Batali Bissot. Jésus en collé. On vous retrouve très prochainement. Tangwe kokio yoyo.